Hello guys, hello YouTube. Alors aujourd'hui je vous montre comment fabriquer l'huile d'avocat à la maison 100% naturelle, sans valeur ajoutée. Et je vous assure, la méthode est très simple, très efficace, très rapide. Vous savez que l'huile d'avocat est très excellente vraiment pour les cheveux, également pour estomper les vergetures. Alors la méthode utilisée ici, c'est une méthode par extraction à froid qui est vraiment l'une des meilleures méthodes pour extraire les huiles. Là, tu es sûr à 100% vraiment que tu as tous les principes actifs sont présents dans l'huile. C'est souvent pas évident, mais cette méthode avec cette astuce que je vais partager avec vous, ça serait vraiment voilà, comme une lettre à la poste pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, de partager, de liker. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors vous aurez besoin des avocats, mais pour cette vidéo moi je vais utiliser deux avocats, donc vous pouvez prendre le plusieurs, c'est vraiment en fonction de vous. Vous nettoyez bien vos avocats, ensuite donc vous récupérez la chair et vous découpez comme vous voyez en image là. Donc par la suite il va falloir broyer. Donc, moi je vais utiliser juste la fourchette pour broyer, mais vous pouvez mettre ça dans un mortier épilé et on obtient donc notre purée d'avocat. Donc ensuite donc ce qu'on va faire c'est quoi, c'est d'étaler vraiment la purée d'avocat sur un plateau, mais je vous assure n'étalez pas ça finement sur le plateau. Et voilà, l'astuce c'est à ce niveau, ok. Donc ce que vous allez faire c'est quoi, c'est qu'à chaque fois il faut remuer. Il faut remuer pour que la purée d'avocat ne sèche, ne colle pas sur le plateau. Sinon, je vous assure, vous allez galérer et vous n'aurez pas un bon rendement en termes de quantité d'huile. Donc, faites-le vraiment. Et vous voyez en image là, ça nous a vraiment produit de l'huile. Donc, ça prouve que ça a bien séché. Donc, vous devez obtenir un truc comme ça, pas collé sur le plateau, ok? Ensuite, donc, on va récupérer toute la chair qui est sur le plateau. Donc, comme je l'ai dit, vraiment, ne laissez pas sécher, coller sur le plateau. Sinon, vous allez galérer de merde, je vous assure. Ensuite, dans mes beautés, on va donc extraire, on va donc presser notre huile. Moi, je vais utiliser un tissu, voilà, un tissu simplement là. Je vais donc mettre ma chair d'avocat à l'intérieur et je vais donc presser. Je vais donc muscler mes bras, je vais muscler, muscler ma paume de main, mais je vous assure, avec cette méthode, c'est très facile. J'étais vraiment choquée parce que la première fois, j'ai galéré, donc des grâces faites comme je vous dis là, ne laissez pas sécher. La première fois, j'ai laissé sécher et je vous assure, je n'ai même pas obtenu une grande quantité, pourtant j'avais utilisé pas mal d'avocats. Donc, faites ainsi, je vous assure, vous aurez votre huile, comme vous voyez en image là. Donc, vous pressez bien, pressez de toutes vos forces pour pouvoir enlever, pouvoir extraire le maximum d'huile, ok. Donc voilà mes beautés. Ensuite donc je vais transvaser mon huile dans un contenant. Et voilà, vous prenez vraiment un contenant propre, bien stérilisé. Vous pouvez stériliser cela avec de l'alcool, vous laissez bien sécher. Et je vais donc rajouter une gélule de vitamine E, mais c'est facultatif. Moi voilà, je le mets dans tous mes huiles pour vraiment pour plus de précautions, quoi, mais ça se conserve naturellement. Donc voilà mes beautés, voilà notre huile d'avocat bio 100% naturel, sans valeur ajoutée. Donc likez la vidéo, commentez, partagez et voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.